adore, tout le monde adore. Ça, c'est du quart de finale d'incroyable talent. Waouh, waouh, waouh. J'aurais jamais cru que j'allais aimer ça autant. C'était un magnifique, magnifique numéro. Ça m'a laissé par terre. Mes chers compatriotes. C'était excellent. Et quand c'est excellent, j'ai rien à dire. Et quand j'ai rien à dire, je me sens comme mes collègues. C'est ces vieux artistes qui veulent essayer de récupérer un peu de lumière. On leur pardonne. Je m'attendais pas à ça. Et c'est incroyable. Je pense que t'es juste taré, mec. Là, on est vraiment sur un truc de très, très haut niveau. Mais ce public de nul avait raison, tu es excellent. C'est tout bonnement hallucinant et extraordinaire ce que vous venez de faire. Bonjour. On a vraiment beaucoup de chance de voir des numéros comme ça. Je pleure beaucoup ce soir, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas ce que j'ai, pourtant ça va bien dans ma vie personnelle. J'ai adoré. Incarner cette émission. C'est vraiment la perfection. C'est exactement le genre de numéro qui va vous faire passer en finale. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur M6, chez vous, ici, sur cette scène, pour la demi-finale de la 18e saison de La France a un incroyable talent. Cette année, la compétition est encore plus relevée et plus difficile que jamais. Ce soir, ils sont 15 artistes, encore en compétition. Et pour gagner leur place en finale, ils vont devoir se montrer créatifs, inspirés et convaincre notre rutilant jury. Votre mission, ce soir, est délicate et ô combien importante. En fin d'émission, vous devrez délibérer et ne garder que 9 candidats. Hélas. Qui rejoindront en finale votre Platinum Buzzer, le magicien Marc Aubi. Alors, depuis des semaines, il s'entraîne pour vous offrir un véritable spectacle et on démarre très fort avec le premier numéro de cette demi-finale. Ils ont terminé deuxième de la compétition il y a 2 ans. Voici Mega Unity. Mega Unity, quart de finale. Non, c'est les demi-finales. Mega Unity, demi-finale. Bonjour les amis, je suis en coulisses avant le passage de Mega Unity. La dernière fois que je les ai vus, c'était les auditions. Oh yes. L'ensemble était tellement cohérent. C'était un hypercute, quoi. Et on se l'est pris comme ça. Et j'ai été emballé. Vous partez avec ça ! D'obtenir le Golden Buzzer, ça fait une sensation incroyable dans le corps. Les jambes, elles tombent. J'étais très émue. Je pense que c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu avec Mega Unity. En réalité, c'est notre deuxième participation à La France a un incroyable talent. Et on revient pour prendre notre revanche. Les gagnants de cette 16e finale est... Tu veux en parler? Tout le monde se rappelle de ma tête encore. Le cœur de Saint-Cyr. On a eu grave les boules, mais grave les boules. Et ça, allez. J'étais pas très contente ce matin, j'avoue. Je les ai trouvés un peu en dessous de d'habitude. Vous avez beau me dire on n'a pas dormi, je m'en fiche. C'est votre dernière répète avant demain. Donc c'est maintenant ou maintenant. Donc tu me montres qui tu es. C'est bien compris? Oui. Allez, c'est parti. Et...
On est très déterminés et on a surtout vraiment envie de gagner la France un incroyable talent cette année. Who's still in doubt? Yelling out, we ain't selling out. We got money, but we ain't running out. We got bars, but we ain't belling out. We got pink Ferrari, we pillin' out. Baby, yelling, yelling, yeah, yelling out. It's Bobby, bitch, if you still in doubt. N'avez pas mis dans ces 2-3 minutes. Mon Dieu, tout ce que vous nous avez montré comme palette, c'est vraiment, vraiment bon pour une demi-finale. Vraiment. Merci, merci beaucoup. Merci. C'est toujours un problème, Ken et Barbie. Pour beaucoup, c'était des espèces de critères de beauté qu'on a tous trouvé parfois aussi détestables, tu vois. Il fallait remettre un petit peu de modernité là-dedans. Ce qui est vraiment chouette, c'est que tous les corps sont différents, ça bouge différemment. Je lutte toujours pour des critères de beauté qui soient un peu différents, parce qu'à la place de Barbie et Ken, je pensais mieux de prendre Marianne et moi. On est un peu plus bio, si tu veux. Donc ça, ça me plaît bien, parce qu'il y a beaucoup de second degré. On n'est pas dans un truc, regardez, on est trop beau, on danse trop bien. Maintenant, est-ce que ce numéro qui est quand même vraiment spectaculaire, drôle, bien foutu, bien écrit, va tenir face aux 14 autres qui souhaitent aussi la finale ce soir. Mais oui, mais bien sûr que oui. Merci. Je trouve que vous avez tout simplement emporté le public, vous l'avez réveillé, j'ai tout aimé, voilà. Merci, merci beaucoup. Vous m'avez presque donné le goût de regarder le film, et ça c'est dire beaucoup. Non, mais vous avez réussi l'impossible, me faire respecter Ken. Parce que pour une fois, Ken sert à quelque chose. Et non, ce que j'ai aimé, c'est que vous avez pris ce côté kitsch assumé. Vous êtes allé jusqu'au fond avec. C'était très réussi. Bravo pour ce numéro. Merci, merci beaucoup. Bravo à tous. Rendez-vous à la fin de l'émission. Tu parlais de kitsch assumé, Samy. Tu parles ouais, comme Marianne. Là, je me suis déguisée en Catherine Deneuve dans un film de François Ozon. Non, moi j'aurais dit un peu. Tu sais? Non, moi j'aurais dit où sont tes Dalmatiens, moi. Ah, Cruella. J'ai tué très Castafiore surtout. Ah, ouais, c'est très vrai, Castafiore. Ah, bah, Castafiore. Oui. Tout de suite, nous accueillons un artiste hors norme qui nous vient de loin. Son incroyable talent, c'est la maîtrise absolue des sabres. Il a obtenu le Golden Buzzer de Michou, notre invité en quart de finale. Il est plein d'humilité. Son nom, Titos Tsai. Wow, les deux en même temps. Je suis vraiment impressionné. Je pense que je me rends vraiment pas compte de la technique qu'il faut. Tu m'as ému dans la chorégraphie. C'était spectaculaire. Franchement, c'était vraiment fort. Et je pense que...
Il se bande les yeux. Oh non. Et voilà. Et une difficulté allons supplémentaire. Bon. Allons bon. Bonsoir Titos. Vous savez, on a vraiment beaucoup de chance de voir des numéros comme ça. Je pense que vous êtes à la bonne place. Vous amenez une espèce de paix avec vous. Ça nous bouleverse. On ne sait même pas l'expliquer. C'est toujours de plus en plus beau. Vous nous avez vraiment marqué dès les auditions. Le premier numéro m'a transporté. Le deuxième avec le feu. J'étais en apnée avec vous. Là, le démarrage de celui avec le masque. Il vit maintenant dans le noir cet équilibre. Tu amènes au monde une sérénité rare. Il y a quelque chose chez vous, cher Titos, d'absolument magique et essentiel. Merci de votre présence, vraiment. T'as déjà traduit tout ce que je viens de dire en 5 secondes ? Traduire en une seule phrase, ça c'est mon incroyable talent. C'est génial. Là, je suis vraiment bouleversée par la beauté du numéro. Et à partir du moment où il a fermé ses yeux, moi, ça m'a ouvert quelque chose, vraiment. Je ne comprends pas pourquoi je pleure tellement. Il m'a fait faire ce voyage que j'attends toujours chez les artistes. C'est bien évidemment un numéro. Pour aller en finale, j'en suis persuadée. À chaque fois que Titos vient ici, vous nous faites vivre toutes sortes d'émotions et des émotions opposé, c'est-à-dire la joie, la tristesse, la beauté, la peur, le danger et la paix, tout en passant tellement proche de l'autodécapitation. Et c'est ça qui fait que ce numéro-là, pour nous, il est formidable. Pour moi, je pense que c'était le meilleur numéro que vous avez présenté ce soir. I remember you said about me in the first round. You say I always smile, I always laugh on the stage. Actually, I cannot smile in the real world, but on this stage, I can feel something stronger light. And that light shining me,
I smile. I feel this is my highlight now. Bravo. Rendez-vous de libération, c'était magnifique. Thank you. Merci. Poétique, c'est vrai. Et il est singulier, il est singulier. Il est unique. Youhou! C'est moi! Allez, hop, ça va au placard. Ça plane pour moi! Les quarts de finale. Ouh, bah c'était le roller coaster émotionnel. Ouh, ouah! Le grand 8, comme on dit en français. Du stress. De la désillusion. Il ne reste plus qu'une place pour aller en demi-finale. De la joie. Chantal ! C'est la farandole, quoi. J'avais la chance d'avoir toute la famille. 10, ils sont venus en bus. Il y a mes deux mamies. C'est elles qui m'ont laissé jouer avec les jupes, les talons, les bijoux, le rouge à lèvres. Bravo, mamie! Franchement, je leur dois tout à mes mamies. Hein. Parce que Chantal, c'est un mélange de Michel et de Jacqueline. Je vous aime! Merci pour tout! Vous êtes les meilleurs! Vous avez préparé des petites photos de mamie? Chut, c'est une surprise. Je suis très fière de toi. Je te souhaite bon courage dans cette belle aventure. Ton papy serait très content aussi. Je t'aime. Mes petites mamies d'amour. Vous voulez me faire pleurer, quoi, c'est ça, hein? Je vous atterre dans votre petit jeu, hein? Ça te touche? Bah oui, pardi, ça me touche. Beaucoup, même. Je me contiens, là. On reste Miss France. C'est les répétitions. J'ai peur, j'ai le trac. Mais j'ai hâte. Oui? En demi-finale, je vais essayer de chanter bien. Ouh, il va falloir que je sois à la hauteur. Être à la hauteur. Emmanuel Moir, si tu me vois, je sais que tu es de la communauté, n'hésite pas. Ce que vous allez voir ce soir, c'est une première mondiale. Hein. Rien ne m'empêchera d'aller chercher cette place en finale. Magicien quand même hein, dans cette histoire. Columbus à l'anus. Oh mince, j'avais pourtant si bien répété. Eric, s'il vous plaît, vous pouvez venir m'aider à sauver ce numéro? S'il vous plaît, Eric, oui. venez, merci Eric. Oh, on applaudit bien fort mon assistant, Eric Antoine, merci Eric, bienvenue. Je vais vous inviter à vous asseoir sur cette magnifique chaise. Oui, voilà. Oh punaise, ils ont mis les pétards et tout, hein. Alors là, je sens que ça va être une belle soirée, Eric. Et quelle surprise, je m'y attendais pas du tout, hein. Vous auriez dû me prévenir, j'aurais mis une belle robe pour l'occasion. Ouh. Oh bah oui, un beau bouquet. Il était une fois une très belle jeune fille et un très grand magicien. Avec une belle baguette. Cette histoire a commencé le jour où il m'a dit « Ça m'a fait un bien fou de vous rencontrer, Chantal. » J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, je suis super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Ah non, les naufrages, ça, c'est déjà fait, Eric. Toi aussi, Eric. Tu sens cet amour qui monte. Car comme le chantait si bien Hélène Segara... Je t'aime. Je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Eric, est-ce que tu sens l'amour te pénétrer, car moi, je t'aimerai pour toute ma vie, pour toute ma vie, pour toute ma vie.
en couple. Tu sais quoi? Je pense que c'est génial parce que si mes enfants regardent la télévision, là, les enfants, je vous présente votre nouvelle belle-mère. Voilà, c'est Chantal, les enfants. Ouais. Va falloir s'habituer. Voilà. Ouais, ça peut être un nouveau concept sur M6, Marie contre son gré. J'aime le clin d'œil à mes origines. Pas l'accent québécois, mais les mariages forcés en Inde. L'accent québécois, tu veux-tu que je te le fasse, Samy, là? Non, c'est pas ça. Non, parce que peut-être que ça nous aiderait à créer un lien positif, là. Je pense pas, Chantal. Je pense. Bon, ben, tant pis. Mais je pense pas que tu vas gagner 100 000 euros non plus. Mais t'auras pas besoin, après ton divorce avec Eric, tu pourras prendre la moitié de sa fortune, donc quelques millions de dollars. On s'est amusé, mais c'est la fin pour toi, je pense. C'est bien, la violence dans le monde, elle commence par toi, visiblement. J'entends ce que tu dis, Samy, mais on a besoin de sourire, on a besoin de s'évader. Et en fait, pour moi, quelqu'un qui n'a pas de limite pour nous faire rire, quitte à perdre un peu de son honneur, parce que quand même, épouser Eric, quoi. Alors... Si les circassiens viennent jusqu'à nous, ils ont la possibilité, dans les conditions exactement du direct, ou face à des spectateurs, de le faire 10 fois, 20 fois, 1000 fois, 100 fois, etc. Mais évidemment, quand Chantal a répété de son côté, elle a peut-être pris un beau-frère, un cousin ou un voisin pour faire Eric, mais c'est ce qu'on appelle une prise de risque maximum, parce qu'en fin de compte, elle ne l'a jamais joué. C'est la première fois qu'elle le joue avec tous les éléments. Je suis tellement heureuse, Chantal, que tu sois avec nous dans cette émission. Je vais essayer de me battre pour que tu viennes en finale. Apparemment, c'est pas gagné, d'accord? Merci, Chantal. Merci, Karine. Vas-y, bravo. À tout à l'heure, c'était magnifique. Eric, une petite dernière chose. T'as oublié de retirer la jarretière. Ah. Avec les dents! Avec les dents! Allez. J'ai pris des poils, mec. Ah bah oui. Allez. Bonne soirée, merci. Hey, Eric, tu vois ce que ça fait que de prendre des poils? C'est le moment de retrouver nos spécialistes des corps à corps troublants et passionnés, Danae et Wilder. Ah, je pensais que tu allais parler de moi encore. Non, pas encore. Depuis les auditions, ils totalisent 2 démonstrations d'acro-yoga, c'est leur spécialité, 2 ovations et 1 demande en mariage acceptée. Pourvu que les bonnes nouvelles continuent ce soir, je ne sais pas ce qu'ils nous ont préparé, mais on regarde tout de suite. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Le quart de finale, moi je l'ai vécu assez intensément. C'était très compliqué juste avant de monter sur scène, le stress a pris le dessus. Et une telle émotion dans ce que vous construisez tous les deux, c'est... Arrêtez, vous allez me faire pleurer. J'ai été émue parce que j'ai senti que j'étais pleinement moi pour une fois et je me suis sentie à ma place dans l'émission. J'ai si peu confiance en moi parce que depuis que je suis enfant, à l'école, on m'a toujours dit « t'es pas comme tout le monde, toi t'es dyslexique, t'es dysorthographique ». J'ai été très rapidement en échec scolaire. J'ai pas fait de grandes études, mais je me suis toujours dit « je veux faire des choses incroyables et un jour j'y arriverai ». Incroyable talent, c'est une vraie revanche sur toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi, qui se sont moquées de moi. C'est aussi un message d'espoir de se dire tout est possible. Que même si on est amateur, avec du travail, on arrive à faire des choses incroyables. Pour la demi-finale, on a vraiment augmenté notre niveau d'exigence. On a choisi le danger. Pour ce numéro, on est sur une plateforme surélevée de 60 cm avec du feu. Vu que je suis au sol, les gaz qui émanent du feu, je les reçois directement. Et du coup, j'arrivais plus à respirer. Tu me fais un truc trop bizarre. Viens vers moi, mais avec tes bras, tu fais ça. Genre en mode, je veux pas y aller, quoi. Bah, j'ai un petit peu peur, je t'avoue, on est vachement proche du vide. J'ai peur de tomber. Ouais, peur de tomber dans le feu, en fait. Travailler avec ce genre de mise en scène et puis tous ces artifices, ça monte en stress. On n'a pas le droit à l'erreur. On a notre place en demi-finale et on va vous prouver qu'on a aussi notre place en finale. Did things to your own and lovers would do in the dark. It made you a god. Priests, popes, and preachers would tell me I did wrong, but hey. Wow, wow. Oh, c'est beau. I say.
Surpris parce que ce soir c'était votre meilleur numéro. C'était votre meilleur numéro. Merci. C'était acrobatique ce que vous avez fait. C'était surprenant. Vous étiez extraordinaire, incroyable. Vous méritez votre place ici ce soir et vous méritez votre place en finale. Félicitations, bravo, bravo. Je suis d'accord. Vous êtes la surprise, en fait. La première fois, vous nous avez émus, vous nous avez touchés parce que votre couple, sans s'y attendre, nous a procuré une émotion et une petite surprise. Mais et après, vous vous êtes encore améliorés. Et aujourd'hui, vous vous exécutez dans des choses très difficiles, tout en les faisant paraître simples. Et bravo, c'était un vrai bon numéro de demi-finale. Merci beaucoup. Danae, Wilder, le fait que vous soyez habillés en noir, on a beaucoup plus vu le jeu des mains et des pieds. Je redis une chose que j'ai déjà dite ici, mais c'est très important. Vous ne venez pas du cirque, vous venez du yoga. Du coup, vous avez inventé des choses qui ne tiennent qu'à vous. Le fait que vous soyez unique comme ça, pour moi, ça a beaucoup de prix. Bien sûr, vous vous aimez, vous êtes écœurant d'amour, vous nous énervez avec tout votre amour. Et c'était magnifique. Merci beaucoup. C'est marrant, cette vanne que vous fait Marianne, vous êtes écœurant d'amour. Alors, ouais, c'est vrai. Et en même temps, moi, j'ai envie de dire, vous êtes inspirant d'amour. Vous êtes amateur, c'est-à-dire que c'est pas votre métier. Vous arrivez, vous êtes en compétition avec des gars qui ont dédié leur vie à ça. Et pour moi, il n'y a pas de différence de niveau. C'est exceptionnel. En fait, vous êtes vraiment ma surprise. Et pour moi, vous êtes une des grandes révélations de cette saison. Vous allez rester en moi vraiment pour toujours. Merci infiniment. Bah, tout à l'heure, après les délibérations. Bravo Danae et Wilder, bravo. Ils sont dans tous leurs états. Chaque fois que vous leur faites des compliments, on sent qu'ils sont bouleversés. Ils sont vraiment mignons. Mais vraiment, on dirait qu'on est en finale ce soir. C'est ce que je ressens. Ouais, mais sauf pour Chantal, je pense que on dirait... Juste pour Chantal, il a eu 5 jours pour préparer ce qu'il a fait. Les costumes, la chorégraphie, la mise en scène. Comme les autres. Non. Comme les autres. Non, la différence c'est que Danae Wilder, ils se reposent sur un truc qu'ils ont travaillé pendant des années, alors que Chantal crée un numéro crée de toutes pièces. Elle crée à chaque fois un numéro, des costumes et tout, c'est pas pareil. Mais c'est pas tout à fait la même chose. On peut pas dire que c'est rien. Voilà. Et voilà, et nananana. Eh, retourne dans ta cabane à sucre, eh. N'importe quoi, habillé comme le parc safari. Oh. Les soignantes, interview, c'est parti. Je m'appelle Amandine, je suis pédicure-podologue. Moi, je m'appelle Aïcha, je suis chirurgienne gynécologue. Et moi, je m'appelle Abigail, et je suis médecin urgentiste. Notre incroyable talent, c'est de chanter. Ces dernières années, les conditions de travail des soignants et des soignantes se sont beaucoup dégradées. Et donc ça peut générer beaucoup de souffrance quand on a fait ce métier par vocation et parce qu'on aime les gens et on aime sincèrement les aider. Parfois, on est frustré et malheureux de travailler dans des conditions pareilles.
Oh non, tu es fatiguée de penser ça. On a des métiers qui sont difficiles, hein, faut le dire. Et de pouvoir chanter à côté, ça nous apaise et ça nous... On a besoin de ça dans notre équilibre. I'm so powerful, I don't need batteries to play. Vous êtes des anges pour moi et je voudrais qu'on soit conscient à quel point on a besoin de vous. Et je sais que c'est plus, franchement, une vocation que vous chantez comme des divas. Et c'est dingue d'avoir ces voix-là. Être soignant et être chanteuse, c'est notre quotidien. J'ai pas mesuré en fait à quel point ça pouvait marquer les esprits. Participer à l'émission, ça a permis d'être repéré par une très grande maison de disques en France. C'est grâce à l'émission, grâce à notre passage, qu'on a réussi finalement à aboutir un projet d'album. Cherche la lumière en pleine nuit. Des gens qui courent après l'amour, mais qui le fuient. Des bras qui se lèvent pour un Dieu qu'on ne voit pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. Chaque jour, sans Dieu ni loi. Et quand nos corps se font l'amour, je sais pourquoi. Ce soir, la boucle est bouclée. La première fois que j'ai chanté avec Johnny, c'était cette chanson-là. Et puis ce soir, ben, vous revenez devant moi et vous me rappelez ce souvenir et vous me rappelez que cette chanson est puissante, que Johnny avait cette puissance et vous l'avez exprimée tout autrement, avec vos voix de femme, vos voix profondes. Et vous nous avez emmenés avec vous, les filles, et je suis très heureuse de vous avoir réentendues ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci, Hélène. La grande, grande, grande variété française. Donc je dois saluer vos trois voix très bien équilibrées, les trois voix très justes, très en place, un très, très beau numéro. J'ai pas pu m'empêcher d'y aller de mon litre de larmes, comme d'habitude. Comment s'appelle le garçon qui a pensé à vous faire faire ça ? Loïc. Loïc, amène-toi, même si t'as pas chanté. Merci Loïc de les avoir dynamisés, leur dire « Ok les filles, c'est possible ». Vous avez vraiment votre place ici en demi-finale. C'était magnifique les filles. Je suis vraiment in love avec ce trio. Bravo. Merci Marianne. J'étais absolument émerveillé par ce que vous avez fait à l'audition. Là, je me suis repris une claque dans la gueule. Je trouve que
Les harmonies sont dingues entre vous trois. Je suis éberlué de la qualité de votre travail aujourd'hui. Bravo. Là, vous avez créé des attentes parce que la semaine dernière, personne n'a chanté pendant mon examen de la prostate, donc j'étais très déçu. Mais j'ai adoré l'audition. Aujourd'hui, je trouve qu'il y avait beaucoup d'artifices, c'est-à-dire il y avait des choristes, il y avait des danseurs. Moi, je pense que quand c'est vous trois, c'est tellement beau, c'est tellement pur. Et moi, j'aime quand c'est vous trois et on vous découvre juste vous trois. Merci. Bravo, bravo. C'était très fort, très puissant. On se retrouve après les délibérations. Tout de suite, les Crows, un trio qui se s'est attendu au tournant parce que leur discipline, la barre russe, a divisé le jury aux auditions. J'ai trouvé ça très propre, très carré. On a assisté à des choses très risquées, j'en ai bien conscience. Mais l'ensemble de la proposition aurait demandé un tempo un peu plus. C'était un poil lent. Leur virtuosité, en revanche, fait l'unanimité. Quel numéro nous réserve-t-il pour gagner leur place en finale? Réponse maintenant dans les airs. Wow! Ah, c'est chouette! Oh, la bonne idée. Très bonne idée. Mais non, elle va pas sauter sur la barre. Mais non. Non, c'est pas vrai. Non, non, mais non. Personne ne fait ça. Ah non, mais ça, on n'a jamais vu, hein. Là, je sais pas comment vous dire, mais je pleure parce que j'ai eu peur. C'est pas dingue ce qu'on vient de voir. Mais tu imagines que si tu éprouves ça, ça veut dire que le niveau de difficulté est absolument exceptionnel. Mais c'est dingue. Alors voilà, les Crows, honnêtement, j'étais pas fondue de vous la première fois. Donc au quart de finale, j'ai dit waouh, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Peut-être que j'étais un peu en retard à l'allumage. Vous qui avez rendu la barre russe excitante et vraiment, c'est incroyable ce que vous avez fait. Là, au demi-finale, c'est la première fois de ma vie que je pleure pour un numéro de circassien. Mais c'est fou les risques que vous avez pris, c'est dingue. Il n'y a pas un tapis au sol, il n'y a rien, quoi. Je ne sais pas comment vous faites ça. C'est tout bonnement hallucinant et extraordinaire ce que vous venez de faire ce soir. C'est jamais vu. Moi, c'est la première fois que je vois une entrée comme ça. Je me suis dit, mais c'est un ange qui descend du ciel. Et puis, c'est marrant parce que vous avez choisi ce milieu complètement urbain pour faire ce numéro, cette usine désaffectée. Et c'est comme, tu sais, dans l'endroit le plus pourri, la beauté qui arrive et qui fait tout vivre. Vous êtes comme une émergence de beauté dans un monde qui part en vrille. Et c'est d'une
technicité tellement dingue. C'est aussi beau, aussi habité, aussi émouvant que ce technique. C'est vraiment la perfection. Bravo à vous, vraiment. Merci bravo. Beaucoup. C'est fou comme avec une discipline qui était inconnue pour beaucoup de profanes comme moi, comment vous avez réussi à en faire quelque chose qui nous passionne. En fait, on est passionnés, on est scotchés à vous. Je voudrais dire quelque chose. Ce numéro, il a apporté autant d'adrénaline que de joie. Je ne sais pas m'expliquer pourquoi. Bravo à tous les trois. Merci. Pour moi, c'est exactement le genre de numéro qui va vous faire passer en finale. C'est ce qu'on cherche ici. En quart de finale, on vous a dit que vous avez non seulement donné un excellent numéro, mais vous nous avez fait oublier que c'était la barre russe parce qu'on s'amusait tellement. Et là, vous êtes encore dépassé. Là, c'est un autre niveau. C'est la barre russe, mais là, vous avez mis la barre haute pour les numéros en demi-finale. Merci beaucoup. On se retrouve après les délibérations. Merci, bravo. Et puis regarde, ils se ramènent avec leur cure-dent, là. Bah Marcobi, qu'est-ce que tu fais là ? Bah, on est en demi-finale, on n'est pas en finale. Toi, t'as eu le Platinum Buzzer, du coup, t'es directement en finale. Et aujourd'hui, c'est la demi-finale. Ah merde ! Ah oui, on n'est pas en finale ? Ah non, mais c'est la demi-finale. Je suis avec les candidats de la demi-finale aujourd'hui. Bah, du coup, je... Bah ouais, faut que tu reviennes vendredi, du coup. Salut. C'est au tour maintenant de Marie-Josée et Jason. Leur danse sur le thème de la violence conjugale nous a tous bouleversés aux auditions et surtout Eric qui leur a donné son golden buzzer. On se demande donc ce soir comment ils vont pouvoir nous offrir une performance encore plus intense. Réponse maintenant, et voici. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. La chorégraphie qu'on a créée pour l'audition sur la violence conjugale, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. Pour moi, la danse, c'est une plateforme que je peux utiliser pour en parler. Parce que c'est difficile des fois de trouver les mots ou de trouver le courage d'en parler. On a réussi notre mission quelque part parce qu'on a sensibilisé aussi le sujet qui était très tabou, en fait. C'était quand même très, très, très fort ce que vous avez fait, quand même. Parce que si j'appuie là, ça pourrait être chouette, vous allez directement en demi-finale. C'est... On s'attendait pas à avoir un Golden Buzzer, évidemment. On est très émus, mais c'est juste que c'est très interne chez nous. À l'intérieur, c'est comme un petit bonhomme qui saute. Ouais, c'est ça. Boing, boing. Merci sincèrement, merci beaucoup. Comment ça va, les amis ? Ça va bien, super toi ? Bien, ben, la manière dont tu dis ça va bien, je suis pas sûr que ça va super bien. Un peu nerveuse. Ah bon ? Ouais. J'ai comme... Je vois que tu trembles déjà. Je tremble, beaucoup de pression. C'est quoi les enjeux pour vous aujourd'hui, alors ? À la fin de notre audition, je meurs. Donc, pour le demi-finale, je danse morte. Ouais. Et voilà. Je danse avec son corps qui est inanimé. Donc, elle a les yeux fermés tout le long. Elle doit jouer le plus possible la mort, donc forcément, elle se laisse beaucoup aussi sur moi, donc je peux pas la perdre, parce que si je la perds, ben, elle tombe. Danser les yeux fermés, c'est quand même difficile. Des fois, je perds mes repères. J'ai confiance en Jason, bien sûr, mais ça me fait un peu peur. Ça va? Ça glisse pas avec ça le... Glisse. Ça glisse. Oh, putain. Tu t'es blessé là. Ah oui, mais j'ai testé. Oh, mince, mince, mince. Il y a évidemment un vrai risque de blessure dans toutes les chorégraphies qu'on fait en général, car on aime le risque. Je suis content, en tout cas. Je suis content de vous revoir. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Allez. Merci beaucoup. Merci. À toutes. Attends, elle danse les yeux fermés.
On dormait sur le sable chaud. Hier pour moi il faisait beau. Il faisait beau même en hiver. C'était hier. Il est mort. Il est mort. Tu m'as quitté. Il est mort l'été. L'amour et le soleil séparés. Séparés. Il n'y a plus de mots, là, c'est fini. Là. Ah non, mais... Terminé. Wow, la charge émotionnelle dès la première seconde. Vous reprenez l'histoire où vous l'avez laissée lors de votre dernier passage. Vous commencez par le décès de cette femme que vous interprétez. Et puis cette danse avec ce cadavre, cette danse avec la mort. Et en même temps, vous en faites un moment de beauté absolument exceptionnel. J'ai le cœur qui se fêle, j'ai les larmes aux yeux. Et c'est marrant, dans cette violence, vous vous donnez une envie d'amour et de dialogue. Vous êtes extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que l'on pense que Jason porte Marie-Josée puisqu'elle est censée être un poids. Elle n'a plus de vie. Et bien évidemment, c'est Marie-Josée qui donne toutes les impulsions pour pouvoir se retrouver en l'air, par terre, derrière, faire des toupies, etc. Et tout, tout en continuant à abandonner bras, jambes, etc. Techniquement, j'ai beau ne pas être une danseuse ou une chorégraphe, je comprends l'incroyable chorégraphie et travail extrêmement précis, intelligent, presque anatomique, comment un corps tombe sans se faire mal et tout. Et je trouve ça très, 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 très gonflé. Vous nous avez transporté ailleurs. J'ai moins été prise, mais énormément. Ça m'a fait gamberger tout du long, quoi. T'as quand même été émue. J'ai mais vu, oui, j'ai vu les larmes. Parce qu'il faut qu'ils aillent en finale. Enfin, il y a un moment, si c'est bon, c'est bon. Toute la violence que vous avez feinte devant nous ce soir, ça nous percute, ça nous remue intérieurement. Donc, pour ça, vous servez, vous êtes utile. Vous faites partie, pour moi, des artistes qui viennent parler d'une cause. Et sans ouvrir la bouche, c'est encore plus beau. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est un numéro qui est vraiment incroyable. Le seul bémol, moi, j'ai trouvé que c'était trop court. Moi, j'en aurais voulu plus. Et j'ai aimé la continuation de votre premier numéro. Donc, je trouvais ça très courageux de faire ça aussi. Merci Bravo. Beaucoup. Merci. Ça va être compliqué pour vous de sélectionner les finalistes. Merci beaucoup. On se retrouve Merci. Après les délibérations. Merci à tous. Bravo. Ça va, Chantal ? Stressée ? Ah, bah ça va mieux d'un coup. Tant mieux. Mais ça va, je prends pas trop de place ? Non, c'est moi, je me suis un peu étalé. Moi, je trouve ça chouette d'aller discuter avec les autres candidats, parce qu'il y a plein de choses à s'apporter les uns les autres. C'est censé être une compétition, mais... Il y a aussi un gros échange, donc... T'es bien, chaud, hein ? Ah, mais bien. Ça tire chaud, moi, ici. Ah là là, j'ai tellement d'or. J'ai envie de tester une voix d'opéra, mais je pense que ça va déranger les gens qui sont à côté. Non, vas-y. Alléluia. Si okay. Je peux te donner un petit conseil, ouais. Ne lâche surtout pas le cirque. Alors là, je suis très fière d'avoir offert mon Golden Buzzer cette année à Geneviève Côté. Cette femme chanteuse, bruiteuse, et elle a mon soutien. Ah bah non, tu pleures pas. Mon incroyable talent, c'est de faire des bruits et de vous emmener en voyage dans ma tête avec ces bruits-là. Quand j'étais jeune, je faisais plein de bruits, j'imitais tout ce qui bouge dans la maison. Je me brossais les dents. À chaque fois que la brosse à dents touchait mes dents, je me pensais dans un vieux film de police des années 70. Je
ma mère était comme, ben voyons, je viens de laver les miroirs. OK, pas de problème. J'étais un petit clown et j'avais ma petite folie. Puis la vie, elle n'a pas toujours été cool avec moi. À 20 ans, j'ai eu mon bébé, Michael. J'étais toute seule pour l'élever. J'ai travaillé beaucoup dans les restaurants. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais. Et je rêvais ma vie. Je me voyais sur les planches, mais la petite fille en moi qui n'avait pas confiance en elle n'était pas capable d'aller rejoindre l'autre qui voulait vraiment faire de la scène briller. Et puis, j'ai lâché prise, et c'est quand on lâche prise que la magie opère. Maintenant, je me sens bien, j'ai des ailes, je me donne la permission d'exister. Te découvre plus Geneviève. Donc voilà, je suis là pour toi. Quand Karine m'a donné son Golden Buzzer, j'étais émue, j'ai pleuré. Karine, on a quelque chose de similaire dans la vie. Je sais qu'elle aussi, elle a élevé son enfant toute seule, puis ça, fait qu'on se rejoint beaucoup. C'est comme si la vie me récompense de toute la merde que j'ai vécue, puis que, ah, la patience paye. Alors, comment ça s'est passé depuis les auditions? Ça a bougé beaucoup. C'est vrai? Ah oui. En quoi? Dans ma tête, surtout. Comment me préparer à ma demi-finale pour faire quelque chose de différent, mais dans la même ambiance? Parce que là, ce soir, on s'en va au Far West. Avec un vieux classique de cinéma de Sergio Leone. D'accord. Il était une fois dans l'Ouest. Je vais tout donner. Je croise les doigts et puis vas-y à fond. Merci beaucoup. Geneviève, parce que j'ai failli buzzer en milieu de numéro, hein. Moi, je sais pas, quand on a un très bon foie gras, on s'amuse pas à mettre du ketchup, de la réglisse et du quinoa dessus, quoi. Enfin, il y a un moment, il faut nous le donner à entendre, quoi. Et de tout début, le vent, les oiseaux, on avait déjà entendu. Non, là où c'est remarquable, c'est que tu as une immense voix de cristal et là-dessus, tu es un incroyable talent. Ça, c'est sûr. Après, sur l'ensemble de ton numéro, c'était un peu lent à démarrer. J'ai pas assez entendu les choses.
chevaux. C'était un peu, oh là là, je vais dire un mot, feignant le début. Genre, bon, on attend, ça va décoller. On est dans une ambiance, une atmosphère qui est celle de Sergio Leone et d'Ennio Morricone. Moi, j'adore Le Bon, la Brute et le Truand à côté, peut-être moins. Mais petite référence. Mais c'est vrai qu'en fait, on devient très difficile. On veut du spectaculaire, du spectaculaire, du spectaculaire. En fait, on n'est pas patient, les amis. Oui, mais c'est ça. On veut tout tout de suite. C'est un peu contre ça que j'ai envie de lutter aussi, j'ai envie de dire. Mais laissons le temps aux choses se faire. C'est aussi parfois dans des respirations que des choses s'installent. Laissons les gens zapper pour retourner sur d'autres chaînes, oui. Non, bah, sauf que si. T'as bien construit ton numéro. Bah, bravo. Si. Merci. Tu poses le décor. C'est vrai que j'aurais voulu qu'il soit posé un peu plus rapidement, ah, moi bon, aussi. Voilà. Mais t'es un petit monde à toi toute seule. C'est ça que j'aime. Tu pourrais raconter le monde rien qu'avec des sons. Et on devrait te commercialiser pour les enfants. Tu leur ferais le petit criquet le soir. Mais en tout cas, la fin a été très bluffante. T'as ta place ce soir et je suis contente que tu sois avec nous. Merci, merci beaucoup. T'as fait des bruits merci. Sans rien dire. Ça me rappelle quand le reste du jury parle. Pour moi, c'est... non, moi, j'adore qu'elle rit sur cette blague-là. Mais tu nous as transportés dans le Far West. J'adore les films de Clint Eastwood et c'est exactement ça que j'aime. Quand il prend son temps, il installe tout. C'est ça que j'ai aimé. On est rentré dans ton univers petit à petit et il y avait un crescendo à la fin qui était extraordinaire. Donc pour moi, je trouve que le numéro est construit différemment des autres numéros et c'est ça la réussite de ce numéro ce soir. Merci. Donc bravo. Merci. Je défends ma petite chouchoute. Moi, j'ai trouvé ça super. Merci. Merci beaucoup. Rendez-vous après les délibérations, Geneviève. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde, merci. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Là, c'est le western, il est resté juste. Exactement. Les deux premières minutes, elle n'a rien fait. Faire du vent, elle c'est pas suffisant. Elle est arrivée dans le western. Ce n'est pas suffisant, demi-finale. Quatre fois le vent, ce n'est pas suffisant pour une bruiteuse. Ce n'est pas assez, demi-finale. Il y avait des serpents à sonnette, il y avait plein de trucs. Bah, essayez, vous allez voir sur un micro, c'est le truc le plus con à faire, le vent. Donc, ce n'est pas suffisant. Il fallait trouver d'autres sons. Ça peut changer ta vie, Incroyable Talent. Mon rêve, c'est de pouvoir faire une grande tournée avec mon spectacle. Voilà. Lâcher l'impression de t-shirt et vivre mon rêve, tout simplement. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Antoine Dodo. Le jeune homme qui va monter sur scène est imitateur. Il ne souhaite qu'une chose, que sa vie bascule grâce à cette émission. Dès que ça s'ouvre, je suis comme à la maison. Être sur scène, c'est l'endroit que je préfère le plus. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu les quarts de finale, ça s'est passé comment pour toi? Les quarts de finale se sont bien passés. J'aime que les livres, je préfère être seul. Oh yes. Quand il pleut, quand il pleut. J'ai proposé un zapping télé. Incroyable. C'est lui qui chante? Et le jury a été ravi. Commence à imprimer des t-shirts avec ton nom là-dessus parce que tu vas avoir beaucoup, beaucoup de gens qui vont te suivre. À l'exception de monsieur Jérémy Ferrari qui a été très sec. Il faut aller chercher ce que les gens n'ont jamais entendu. Un zapping, c'est une facilité. Ça t'évite d'écrire une histoire entre tes personnages. Avec ce numéro, je suis le conseil de Jérémy Ferrari dans le sens où je raconte une histoire dans un sketch en hommage à Guillaume Batz, malheureusement décédé il n'y a pas longtemps. J'avais vraiment envie de faire découvrir la voix de Guillaume Batz parce que j'ai beaucoup de sketchs avec Jérémy Ferrari que j'aime vraiment beaucoup regarder. Quelqu'un a reconnu quand même. Oui. Ah, merci Romain pour de m'encourager. Je vais prendre un gros risque ce soir, proposer des voix qui n'ont encore jamais été imitées à la télévision. La scène est à toi. Alors, j'avais pas le budget pour l'intelligence artificielle, donc on va y aller à l'ancienne. Oh, David Guetta. Non, pardon. Non. Bonjour. C'est Paul Mirabel. Paul Mirabel. C'est Paul Mirabel. Mirabel. L'autre jour, je me suis fait cambrioler. Je dormais tranquillement dans ma chambre quand tout à coup j'ai entendu du bruit dans le salon et je me suis dit tiens, c'est ma copine qui rentre de son restaurant avec ses amis. Puis je me rends compte que j'ai pas de copine. Et je me suis dit, Paul, t'es en train de te faire cambrioler. Paul, ressaisis-toi, va lui montrer de quel bois tu te chauffes. Donc j'enfile mon peignoir kimono, je descends, je mets la main dans la poche de mon peignoir, et je dis, partez ou je tire. Là, le cambrioleur me dit, c'est quoi comme arme ?
Un magnum. Ensuite, elle m'a dit quel type de magnum. J'ai répondu un almond. C'est vachement bien écrit. Attends, donc t'es en train de me dire... Oh, putain, c'est Jérémy. Tu es en demi-finale d'incroyable talent et tout ce que t'as trouvé de mieux à faire pour impressionner le jury, c'est Paul Mirabel avec la perruque du professeur Raoult. Waouh, c'est bien. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce que je t'ai dit en quart de finale? Ce jury a envie qu'on lui raconte une belle histoire avec de l'émotion, de la tristesse, de la joie, de la peur, mais aussi et surtout de la pitié. Et pour ça, j'ai exactement ce qu'il te faut. Oh putain, c'est Guillaume. T'es sérieux, Jérémy? Ah, c'est génial. Tu me fais revenir pour ça? Alors que j'étais dans le jacuzzi avec Marilyn Monroe et Lady Di? Bon, c'est la dernière fois que je le fais, mais c'est vraiment parce que c'est toi, Jérémy. Vas-y. S'il vous plaît, votez pour Antoine, s'il vous plaît. Sortez-le de son usine à t-shirt. Et c'est le allant final, s'il vous plaît. C'est bon comme ça? Bon, allez, les filles m'attendent. Je me casse. Ciao, bande de nazes! Mais en plus, mais parce qu'ils se connaissaient, ils étaient pas. Merci beaucoup. Merci. Écoute, pour une fois, j'avais toutes les références. C'est vrai? Donc, c'est rare que je dise ça, mais ce public de nul avait raison. Tu es excellent. T'es revenu sur ce que Jérémy t'a dit. Ce jury a envie qu'on lui raconte une belle histoire. Je trouve ça génial de ta part. Bravo pour la super performance. Tu finis par une note qui nous rend super triste. Guillaume Batz, c'est quelqu'un d'extrêmement attachant. Donc on a tous un peu... Voilà, ça nous fait quelque chose. Et en même temps, tu lui rends un bel hommage parce qu'on a envie de l'imaginer dans un jacuzzi avec Marilyn. Évidemment, bah, ça m'a bouleversé. Tu le sais, Guillaume, c'était mon ami. Et puis, je le coproduisais avec Jérémy, donc on s'occupait de lui depuis quelques années. Je trouve que ce numéro, il est brillantissime parce qu'il y a un arc narratif du début à la fin. C'est extrêmement bien incarné. Bonjour. T'as pris toutes les positions de Jérémy merveilleusement bien, son ton, sa voix. T'es de la bombe. Wow. Merci. Antoine, il est... je crois que le mot qui lui correspond le mieux, il est intelligent. Je pense que t'es en train de faire une formidable saison avec nous. Ça m'étonnerait que tu sois pas de ces étoiles qui vont très très haut. Si cette émission ne change pas ta vie, franchement, moi j'arrête ce métier. T'es trop bon, t'es trop fort, t'es trop drôle, c'est très bien écrit. Je me battrai pour que tu sois en finale. Bravo Antoine. Merci Antoine. Bravo, bravo. Rendez-vous après les délibérations. Au revoir Antoine. Moi, je vous dis la vérité, j'ai pas reconnu Jérémy Ferrari. Tu l'as déjà vu sur scène? Non. Ah, c'est pour ça. Faut le voir sur scène, c'est exactement son attitude. Le jean, le t-shirt noir, côté, la tête baissée souvent, ah, ouais, c'est ouais. Ces intonations-là. Est-ce que vous aviez reconnu Jérémy Ferrari? Oui. Ah. Tu connais maman? Ah bon, bah pourquoi tu lèves pas la main? Attends, il y a quelqu'un qui mange des chips. Quelque part, j'entends des chips. C'est le Platinum Buzzer. Marcobi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Merde. Vous en voulez? Je regarde le show, quoi. Tu t'es préparé pour la finale? La finale. La finale d'Incroyable Talent où tu es le seul artiste à avoir été directement envoyé en finale. Tu sais ce que tu vas faire? Ok. En tout cas, bonne chance hein, pour la suite. Hein. Et puis bon spectacle. On a hâte de vous retrouver. Ils sont deux, ils sont amoureux. Dès qu'ils montent sur scène et dans les airs, la connexion entre eux est palpable. C'est le duo Rings qui nous présente maintenant un numéro d'anneau aérien spécialement créé pour cette demi-finale. Bonne chance à vous deux.
Patin final. On le sait que vous êtes très amoureux. Cette manière de flirter entre le sol et les airs comme ça en permanence, on dirait que vous n'avez jamais peur de toucher le sol et les envolées sont toujours aussi gracieuses. Je trouve que vous êtes un accord parfait l'un avec l'autre et c'était encore d'un très grand niveau. Bravo. Merci beaucoup. Vous avez choisi que le trait soit de plus en plus simple, de plus en plus lisible, beaucoup plus lent tous les mouvements. Et c'est sûrement très difficile à faire de tenir longtemps un seul mouvement. Pureté, simplicité, j'ai adoré. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à chaque fois qu'on vous voit, on tombe amoureux de vous et de votre numéro. Vous êtes deux plumes qui flottent dans l'air. Ouais. Vous êtes, ouais, c'est ça, c'est deux anges. À chaque fois que vous venez ici, c'est un numéro extraordinaire. Et aujourd'hui, ce soir, il n'y a aucune exception. Merci beaucoup. Bon, dernier numéro m'a mis vraiment par terre. J'étais dans une tristesse infinie et votre acte artistique m'a donné envie de respirer. Donc ça, je pense que c'est assez rare. Et currently, a really good friend of ours as well passed away. So we dedicate this to the souls that are in another dimension. So everything is about love and is what we like to transmit. Elle dit qu'elle a perdu aussi. Ils ont perdu un ami très cher et qu'il dédiait ce numéro à cet ami très cher. Merci mille fois. Merci beaucoup, the friends. Beaucoup. Vous allez être un peu dans la crotte parce que là, j'ai l'impression d'être en finale. Ah ouais, moi aussi. Oui. Franchement, je me dis, oui, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux derrière ? Il y a un niveau de finale, hein. Bonsoir, bienvenue dans notre nouvelle émission, La recette des incroyables talents. Je trempe ma tartine de choco dans de la soupe à l'oignon. J'adore. Vous faites pas ça, vous ? Ah ben, je vais faire ça, moi, la prochaine fois. C'est délicieux. Quelle horreur. Je m'appelle David Corriveau. Je m'appelle Evgenia. Mon incroyable talent, c'est l'imitation vocale. Mon incroyable talent, c'est digital double. Basically, it's a copy of another person's face, which you put on another person, and then the magic happens, and you see another face on another person. Je vis très bien avec le fait d'être reconnu grâce au visage des autres, parce que pour moi, il y a un travail d'humain derrière ça. Créer ce numéro, on a besoin de beaucoup de data, on a besoin de beaucoup de travail. Ensemble, on veut repousser les limites de l'art.
Mais quelle voix! Quel imitateur! Le niveau de voix que vous avez! Écoute, on a un grand problème cette année. On a vraiment trop de Québécois en quart de finale, fait que je peux pas t'envoyer en quart de finale. Je t'envoie directement en demi-finale! Le Garden Bazaar, c'était très touchant parce qu'on a travaillé fort. Notre numéro est créé seulement pour la France, un incroyable talent. C'est one shot, one deal. On fait une seule fois et après, c'est fini. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de risques dans ce numéro-là. Allô, comment tu te sens? Un peu nerveux, là, parce que on essaie d'augmenter le niveau toujours. Je te souhaite la meilleure des chances pour la demi-finale. OK, j'ai une dernière chose à te montrer. J'ai vu ça passer dans les médias. Je n'ai jamais aimé Sugar Sammy. Ce candidat de la France, un incroyable talent, se lâche. C'est tes mots. Ben oui. J'assume pleinement. OK. Ouais. Non, mais attends, je dois t'expliquer. Non, mais je pensais qu'on avait comme... Oui, mais je n'ai jamais aimé, mais là, ça a changé après Golden Buzzer. Très content de te rencontrer, ben, même si tu m'aimais pas. Ah non, mais... Bravo. T'es bien smart. Bravo, merci. Bravo. Ce soir, on nous souhaite que tout aille bien. Technologie, pas de panne d'électricité, pas de panne de la voix. On veut faire ressentir au public de l'amusement, mais aussi de la réflexion. T'as jamais vu une femme qui se bat. J'adore ce titre. Hein. Prends garde sous mon salaire, sous mon salaire, regarde sous mon salaire, tu étais gay comme un Italien quand il s'est et moi pour la première fois. Le corps ne va pas avec la tête, il est trop petit. Enfin senti pas. Une femme avec toi. Donne-moi ton cœur, babe, ton corps, babe. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, babe, ta soul, babe. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde. Une femme like you. De mon compte ira quand elle danse et qu'elle met son corps à jour. Un oiseau qui tend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. Nous ferions de ce rêve mort s'il suffisait d'aimer. Génial. Franchement, tu chantes vraiment bien. Par contre, Eric et moi, on a pris cher, je trouve. Eric, on dirait qu'il a bouffé à la cantine toute la semaine. Et moi, j'ai pas de cou et j'ai deux oreilles de cocker. Et moi, je suis toi, mince. T'es génial. Toi, mince. T'es génial. Mince. Moi, j'adore la technologie, donc t'arrives avec quelque chose de tout à fait inédit. On trouve ça génial, mais vous allez nous tuer, en fait, avec votre technologie. Bientôt, on n'aura plus besoin de chanteurs. On pourra prendre ma tête et me mettre dans des films de cow-boys. Bah, moi, j'aurais pensé à d'autres films, mais bon... Je préfère de cow-boys. Je préfère de cow-boys. Mais franchement, je trouve que là, t'as multiplié les risques par quatre. Ah, là, et voilà les techniciennes. Allez, voilà les doctoresses. Les ingénieurs qui nous clonent, qui nous remplacent. Moi, je suis surprise que le mien marche autant.
Je me suis vraiment reconnue. Je sais pas comment vous êtes arrivés à faire ça. Et je reconnais que Eric et Hélène, ils ont pris un petit peu cher. Le problème n'est pas là, c'est que si tu veux, regarde la tête de David par rapport à ma tête. C'est, on vit pas dans le même monde. Non. Si tu veux, c'est pas. Donc si tu mets ma tête sur son corps, ça ne fonctionne pas. Si tu veux, il y a quelque chose. Justement à faire. Voilà, voilà, c'est ça le problème. Écoute, j'ai jamais vu une si belle harmonie entre nous quatre. Et comme on me dit toujours, il n'y avait que moi de réussi. T'as une voix qui est incroyable. T'es un très bon comédien. Je trouve que t'as ta place à cette émission. Il n'y a aucune autre émission où ça pourrait marcher. Et on est très fiers que tu sois ici. 100% d'accord avec les trois copains à ma gauche. Quel bonheur. J'ai tout à fait compris que t'aies choisi Grenade pour Samy parce que côté explosif et tout ça. Femme Like You pour Marianne. Évidemment, c'est très clair. Belle pour Hélène. Je vois pas le rapport de... Je vois pas... Non. Sans rire, j'ai adoré. C'est novateur, c'est intelligent, c'est bien écrit. Vous êtes performants tous les trois ensemble et performants séparés les uns des autres. Et ça donne un numéro unique au monde. Et j'étais vraiment... Je me sens très chanceux que vous ayez choisi de passer ce moment avec nous. Donc c'est très chouette. Bravo. Bravo. Rendez-vous tout à l'heure après les délibérations. Voici maintenant un duo porté par une histoire forte et une amitié fraternelle. Ils sont acrobates, danseurs et ils font des portées d'une puissance et d'une légèreté assez dingue. Wow. Wow. Scène cirque, demi-finale. Je suis arrivé dans cette compète et j'avais envie de passer un bon moment et de passer des messages, tout ça. Après, au fur et à mesure, dans les quarts de finale, j'ai compris que là, je suis devenu une personne compétitive, quoi. Il y a l'envie de gagner qui est là. Voici donc les quatre noms que vous avez sélectionné pour aller en demi-finale. Le moment des résultats, c'est... Scène cirque. Quand on a entendu scène cirque, c'est comme s'il y avait une électricité qui est fait... C'était une émotion qui est sortie de moi. Je me suis dit, mais c'est ouf. Le thème de demi-finale, ça sera l'immigration. Je viens de Guinée-Conakry. Moi, du Sénégal. Beaucoup de jeunes de chez nous partent à l'étranger pour essayer de trouver un moyen de nourrir leur famille. Et on en connaît beaucoup. Les personnes de la famille qui ont pris la pirogue, qui ne sont plus revenus, qui sont morts à la mer, c'est les gens de chez nous, c'est nos frères. On veut que les jurys voient la courage. Ce thème-là, c'est pour ne pas qu'on oublie que cette situation est là. Il faut qu'on trouve une solution pour le régler. Et l'humanité, on a besoin. C'est très beau. Hein. Oh, c'est beau. C'est un peu hypnotisant quand même.
C'est beau, c'est une belle histoire, très touchante. Bonsoir les garçons, bonsoir. Bonsoir. J'ai pas accroché du tout à ce numéro ce soir. J'ai trouvé que c'était d'un compliqué. Ça m'a perdu que vous soyez rejoint par deux collègues très talentueux aussi. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gesticulation. Et que finalement, cette énorme structure vous a plus emmerdé, c'est le mot, qu'autre chose. Et c'est vrai que j'ai cru à un moment que vous alliez, pour moi, sauver votre passage pour enfin voir ce qui fait vraiment votre duo. Moi, je suis passée, mais alors complètement à côté. J'en suis désolée, vraiment. Alors, moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce que vient de dire Marianne, parce que je trouve que vous avez mis en avant l'histoire par rapport au spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire qui, pour moi, était très claire de ce drame quotidien absolument atroce qu'est la traversée de la Méditerranée et qui laisse les morts s'échouer sur les bords de l'Europe et qui est aussi un lieu où des monstres se révèlent. C'est-à-dire, il y a les passeurs, par exemple, qui font payer des fortunes à des gens dans des situations de drame intense. Et puis vous, je trouve que vous êtes aussi des passeurs, mais vous êtes des passeurs d'histoire, vous êtes des passeurs d'émotions. Waouh, quel beau moment. Merci. Ça nous fait plaisir. Vraiment, bravo. Vraiment. Bravo. Merci à vous. Depuis le début, on vous trouve hyper attachant. On aime votre cheminement, cette façon que vous avez d'exprimer comment surmonter les obstacles ensemble, en vous appuyant l'un sur l'autre. Mais pour moi, il y a aussi une facette qui s'est dessinée vers la fin. C'était un tableau contemporain pour moi. Je dois dire qu'on a eu peur que tu tombes, mais la manière dont tu l'as rattrapé en dit très long sur ce que vous faites ici. Vous avez pris des risques, merci beaucoup. Vraiment, ça fait plaisir. De venir ici jusqu'en demi-finale, quand c'est votre troisième prestation, c'est pas facile. C'est pas facile de y rester soi-même et de se démarquer en faisant quelque chose de différent. Là, vous avez pris des risques, sauf que je suis d'accord avec Marianne, c'est un peu trop complexe. Des fois, on se perdait dans votre numéro. Donc, quand même, un numéro réussi. Donc, bravo d'être jusqu'ici aussi en demi-finale. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Maudou. Merci vraiment. On se retrouve tout à l'heure après les délibérations. Et ils repartent en courant. Hein. Ce sont des gens qui révoltent. En Australie, il y a des araignées énormes qui se baladent partout. La pire flip de ma vie, je suis sur les toilettes et t'as un monstre comme ça. Je suis sorti. La crotte au cul. en criant. Oh, oh, pardon. Monica. Oh, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Monica, qui a toujours rêvé de chanter sur scène. Je vis mon rêve éveillé d'être une star. Hier soir, au restaurant, il y avait tout un groupe de messieurs qui me regardaient. Puis quand je me suis levée, ils m'ont dit « Ah, mais c'est vous, Monica ?» Oh, ça m'a fait plaisir. C'est pas un incroyable talent, c'est un incroyable rêve. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. J'espère que vous n'avez pas de problème de cœur, parce que moi, ce soir, j'ai envie de sauver une belle histoire. Il a levé la main. Oh là là, j'ai dit « Mon Dieu, il va. » Puis... Voilà. Oh, quand j'ai vu Ça m'a retourné beaucoup parce que voilà, dans le bruit, je pensais pas être capable. Et dans le silence, coupé. voilà. C'est formidable de vivre ça à 84 ans. Laissez-le-moi. Ça me bouleverse. Encore. Vous allez me faire couler le rimmel. Mais là, je me suis lancé un drôle de défi quand même, parce que c'est une chanson que je connaissais pas du tout la semaine dernière. Devant ces présidents qui... Pas de soucis, pas de soucis. On va se recaler. Oh là 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 là, c'est pas possible. Je voudrais pas me planter, ne serait-ce que pour ma famille. Si j'ai fait ça, c'est pour eux. Je veux les emmener avec moi jusqu'à la finale. Elle m'arrache les tripes à chaque fois. Maintenant, je commence à y croire quand même un petit peu. Il était temps, oui. Monica. Monica, c'est à vous. Devant ces yeux d'enfants qui ont froid, qui ont faim, dites-vous que l'argent vous brûlera les mains. Devant ces présidents qui dirigent le monde, qui jouent au cerf-volant avec toutes leurs bombes. J'en appelle à la tendresse, à l'amour
trouver les mots pour le dire. Il y a trop de larmes dans ce monde en délire. Dites-moi si je mens, dites-moi si j'ai tort. S'il le faut, je veux bien vous le chanter plus fort. J'en appelle à la tendresse, à l'amour, s'il nous en reste. J'en appelle à tous les hommes, que leur volonté soit bonne. La 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 la. Alors Monica, je vais te dire, si tu avais fait un sale tour en descendant, tu étais en finale. Mais bon... Arrière, tant qu'à faire. Monica, à chaque fois que vous venez, on le répète, il n'y a pas d'âge pour vivre ses rêves, hein, j'ai l'impression. Et en tout cas, c'est toujours un bonheur de vous voir. Mais c'est gentil, merci. Je suis toujours très touché par tous ces artistes au chemin étrange. Vous savez, les Marcel Proust, les Louis de Funès, ses succès sur le tard, les Sugar Sammy, à qui ça va bientôt arriver. Et ça va être chouette, tu vois, pour toi, tu vas voir. Maintenant, je suis un peu moins séduit par cette prestation, mais en même temps, je suis heureux, je me sens bien. Il y a une vibration justement de tendresse que vous avez amenée. Bravo pour ça. Merci. Ouais, écoutez, il y a des gens en France qui foutent la merde pour être retraités à 62 ans. Et vous, vous voulez faire carrière à 83. Donc déjà, bravo. 84. 84. Moi, je suis d'accord. Je pense que votre meilleure performance, c'était pendant les auditions. Là, il y avait des imperfections. Pour moi, c'est pas la hauteur d'une demi-finale. Donc, d'accord. Malheureusement. Chère Monica, je pleure beaucoup ce soir. Je ne sais pas si vous remarquez. Je sais pas ce que j'ai. Pourtant, ça va bien dans ma vie personnelle. Je ne comprends pas. Mais pour moi, c'est un de vos plus beaux passages. Il est du niveau du premier. Je trouve que vous n'avez jamais été aussi entière. Merci. Vous devenez pro de plus en plus, vous avez donné énormément. La manière dont vous avez tendu vos poings en avant, vous ne doutez plus d'être là avec nous et de vous offrir ce moment-là. Ça, c'est incroyable talent. Et je ne vois pas pourquoi vous n'iriez pas en finale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monica. Venez, venez. Dans chaque saison de La France a un incroyable talent, il y a toujours un beau jeune homme qui nous bluffe par son savoir-faire et son élégance. On retrouve maintenant Marceau. Il a 23 ans. Il pratique les sangles asymétriques. J'étais sûr qu'elle parlait de moi. Ce jeune homme, plein de douceur et de poésie, s'est révélé en quart de finale. Marceau, c'est à toi. Bonne chance. Cette chanson, oh quoi, arrêtez, je vais pleurer, quoi, j'adore. Bonsoir, monsieur, madame, je te dis tout, je peux parler en tout, car je n'aime pas le vous, je trouve que ça vit, et moi je veux rester petit, un gamin pour la vie, sans mouchoir ni cri. Alors vas-y, je te dis tout, sur le drame que je vis, au quotidien, en enfer, voilà où je suis. Je voudrais m'en aller, m'évader loin de tout, de ce monde de fou, et partir, je ne sais où, vivre tout que je suis ici, et tout péché à corps, qui disent comment je pars, sans lui faire de tort, qui me transforme en ce que les médecins appellent le fou, et peut-être qu'ainsi j'y verrai dans le flou. Alors cher monsieur, t'es, aide-moi, aime-moi, moi je n'y arrive pas, dans ce monde que je vois, dans ce monde de l'homme n'est qu'une brute, où l'amour n'est plus rien, que querelle et dispute. Voudrais m'écrire un mot, une planète, rien qu'à moi, une planète sur laquelle je me sentirais moi. Un renouveau s'enchaîne, dépourvu de haine, une planète sur laquelle je me donnerais des ailes. Tu vois le cœur brisé, pas besoin de l'appeler, la
solitude est pas qu'elle vient vite te trouver. Elle attend pas que tu ouvres, elle lance sans frapper. Des coups de blouson sont pour elle à 4 heures à bomber. Alors toi, qui es-tu? Au fond, le sais-tu? Car moi, je ne sais plus qui je suis perdue. Mais c'est plus fort que moi, il me manque encore ça, ça et ça là-bas. Toujours plus, je suis comme ça. Alors j'espère qu'un jour, je pourrai faire l'amour à une personne sincère qui ne me jouera pas le tour. J'en ai vraiment assez de donner sans retour. Je suis saoulée de m'aimer, moi sans l'âme sœur, c'est lourd. Mais sachez tout de même que sur scène, grâce à vous, oh là là, j'ai l'impression, oh là là, de ce monde de vous. Car j'ai pris quand je me plante et je ris quand je tombe et je vis quand je chante. Et pour tout ça, je... Un début qui prend son temps et qui donne tout à la fin. J'étais tellement contente de voir cette immense balançoire. Tu nous l'avais jamais fait, ça, de faire tout le studio en entier. Il y avait une joie, une liberté. J'ai l'impression que tu avais 3 ans et demi et que ton papa te poussait dans le dos. Et puis à la fin, cet incroyable toupie à droite, à gauche, à gauche, à droite, à gauche. Quel numéro magnifique, quoi. Tu l'as créé pour ce soir ou ça fait partie de tes choses? Oui. Non, créé pour ce soir. En 10 jours. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chaque fois que tu t'es envolée, je me suis demandé quelle sensation et quelle ivresse tu dois avoir de balayer les airs comme ça devant nous, tout en racontant quelque chose. Franchement, tu es tout jeune, mais tu ne m'as pas déçue depuis le début de cette émission. Tu n'as fait que nous emmener à chaque fois un peu plus loin. Bravo pour cette prestation, Marceau, vraiment. Merci beaucoup. Écoute, on sent le travail, mais on le ressent pas quand on voit ton numéro. C'est-à-dire qu'il y a une simplicité, il y a pour moi une légèreté dans ce que tu fais, mais en même temps, il y a une puissance aussi. Et il y a quelque chose qui est singulier avec toi. Il y a quelque chose que tu fais qui appartient à toi. À chaque fois qu'on le voit, on le reconnaît. Et encore, tu l'as fait aujourd'hui, mais tu t'es surpassé. Donc, bravo. Merci beaucoup. En dehors de la prouesse physique et technique, j'ai adoré l'histoire. C'est-à-dire ce chemin de solitude, le mec qui est tout seul et qui marche le long des rails, puis qui rentre dans cette forêt, qui est un petit peu mélancolique. Et puis finalement, il fait comme une espèce de voyage vers lui et il trouve ce qui fait de lui quelqu'un d'absolument unique et singulier. Et pour faire ce que tu as fait là, ça demande tellement de temps de solitude, tellement de temps de travail. Et il y a chez toi, dans ton sourire, quelque chose d'absolument divin, c'est-à-dire que tu es un enfant et t'es un homme en même temps. Il n'y a pas d'autre mot, c'est extraordinaire ce que tu viens de faire ce soir. Bravo Marceau, bravo, à tout à l'heure. On te retrouve après les délibérations, bravo. Émouvant. Il file le frisson, cet homme. C'est le premier numéro, je pense qu'on est sûr qu'il va passer en finale. Là, c'est sûr que ça passe. Ça, c'est très final. Ouais. Ouais. Ça, c'est très final. Ça vient de décider le sort de Monica, ce numéro. Oh, tu nous emmerdes. Oh, lâche l'affaire. Mais Monica, elle est en train de s'entraîner à la barre russe, tu sais. Je suis dans les nuages. J'ai pas envie de m'arrêter juste avant la finale d'Incroyable Talent. Incroyable Talent, c'est une vraie revanche. C'est une concrétisation de tous mes rêves. Chantal ! Oh, j'adore. Moi aussi. Que c'est intéressant de montrer qu'avec de la ténacité, eh ben, on arrive à faire des choses incroyables. Voici maintenant un jeune homme audacieux et talentueux. C'est lui qui écrit, compose chacun des titres qu'il interprète sur ce plateau. Ce soir encore, il joue sa place en finale avec l'une de ses compositions personnelles. Il s'appelle Cobalt. Quand tombe la nuit, je vois des mondes parallèles.
où tout est possible, où tout est moins laid. Parfois je rumine, pensée passagère. Je m'invente une vie où rien n'interfère. Et faites qu'on me protège, que se retourne le mauvais sort. Oui, faites qu'on me protège, que se retourne le mauvais sort. Touche-moi, brise-moi, fais-moi vivre un enfer. Ça ne fait rien, un autre viendra et tu devras t'y faire. Ça ne fait rien, tombe la nuit, je suis agoraphobe. J'ai eu des amis et des anécdotes. Je veux des samedis sans voix qui résonne. C'est pas si terrible d'être heureux sans personne. Et faites qu'on me protège, que se retourne le mauvais sort. Oui, faites qu'on me protège, que se retourne le mauvais sort. Donc touche-moi, brise-moi, fais-moi vivre un enfer. Ça ne fait rien, un autre viendra et tu te feras t'y faire. Ça ne fait rien. Et puis tout se calme, j'ai ralenti, certes, j'ai dénoué tous tes liens. Donc touche-moi, brise-moi, fais-moi vivre un enfer. Ça ne fait rien. Je trouve ce titre vraiment super chouette. J'ai beaucoup aimé les progressions musicales, le début au piano, après quand tu viens solo. Je trouve qu'il y a du spectacle, je trouve l'addition des musiciens super. Dans les titres, c'est celui, je crois, qui m'a le plus plu parce qu'il y a la partie aussi plus rythmée qui vient. T'as beaucoup de rythme en toi, beaucoup de ruptures différentes. C'est des vrais voyages. Tu m'as offert une chanson et je suis parti avec toi dans ce voyage. Donc, merci Cobalt. Très beau travail. Bravo. On a une Marianne émue, non ? C'est pas la chose que j'ai préférée de toi. Ah, ok, non. Justement, ce que soulignait Eric, c'est qu'on est passé à des tas de phases rythmiques différentes. Et je l'avais déjà souligné la dernière fois, le début a cappella. Et là, seul au piano, je vais dire une chose qui n'est pas très gentille de musicien à musicien, c'est bateau. Ce que j'ai remarqué, c'est que ta voix de tête, ça vraiment, tu le tiens et c'est vraiment ta signature. Ça, c'est vraiment bien. Maintenant, j'aurais préféré que tu sois plus cash. J'ai besoin de t'entendre simple, frontal, parce que ta voix est vraiment intéressante, mais tu es timide encore. Tu n'oses pas nous l'offrir tout le temps. C'est difficile hein, derrière de tels numéros aussi. Hein. Je trouve que quand même, tu as imposé ta personnalité soir après soir. Tu as montré ton univers et c'était sacrément courageux de t'obstiner à faire uniquement tes compositions. Parce que ça aurait été tellement plus facile pour toi d'arriver avec des reprises de chansons que les gens adorent pour les embarquer direct. De toute façon, tu es un vrai auteur. C'est sûr. En tout cas, Cobalt, je pense que tu t'es fait déjà une partie de ton public grâce à cette émission. Voilà. Je trouve que comme auteur, compositeur, c'est ça que j'ai aimé à propos de toi, les risques que tu prends quand tu viens ici. Mais là, ce soir, tu nous as pas surpris. C'est-à-dire, t'es pas allé ailleurs. Donc, c'est ça qu'on veut en demi-finale. Par contre, je sais que tu vas avoir une longue carrière. On est très content que tu sois ici sur notre plateau. Moi aussi. Bah, bravo, Cobalt. Bravo. Rendez-vous à la fin des délibérations. Merci beaucoup. Bravo. Cher jury, nos 15 demi-finalistes ont performé devant vous. Vous ne pouvez en sélectionner que 9 qui rejoindront en finale vendredi prochain le magicien Marc Obi que vous avez déjà sélectionné puisque vous lui avez donné le Platinum Buzzer. Donc je vous laisse vous retirer et vous allez délibérer
On vous retrouve dans quelques secondes. On compte sur vous, hein. Bonjour. Le jury a délibéré. Nous allons connaître leur verdict. Attendez, pardon. Merci. Bon, ils ont l'air contents en tout cas. J'ai le sentiment, à votre sourire, qu'il y a un certain consensus. Nous avons trouvé un consensus après une discussion quand même très animée. On aimerait déjà commencer par vous remercier tous pour votre présence, pour votre créativité, votre investissement à tous. Vous nous avez proposé ce soir une émission digne, mais on aurait dit une finale. Voilà, on aurait dit une finale. Alors, dans cette enveloppe se trouvent les noms des 9 artistes pour la finale de La France a un incroyable talent de vendredi prochain. Je vais donc les annoncer un par un. Il n'y a pas d'ordre. The Crows. Danae et Wilder. Marceau Vidal. Antoine. Votez pour Antoine, s'il vous plaît. Titos. Marie-Josée et Jason. Mega Unity. Les soignantes. Et la dernière place est attribué à David Corriveau et Sans Contrefaçon. Un grand bravo à tous les artistes qualifiés ou non ce soir. Vous avez été formidables. Merci à tous de votre fidélité chez vous. Merci, grâce à vous, depuis 18 ans, la France a un incroyable talent et un grand succès. Je vous donne rendez-vous vendredi, dans quelques jours, en direct, pour la finale.